Ici Lupina pour l'épisode numéro 33 du Sans Bébé Challenge. Oui. Ok, ça commence bien. On s'était laissé la dernière fois avec Claire, avec Clara. Voilà, Clara en train de peindrer. Ouais, je commence à fatiguer là. Avec Clara en train de peindre et Clémentine en train de dormir, n'est-ce pas? Allez Clara, plus vite ma petite. Peut-être qu'on aura le bébé dans cet épisode, mais je n'y crois pas. Je pense plutôt qu'on l'aura dans le prochain. On verra. Il peut se passer beaucoup de choses en 20 minutes. On verra. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que ce sera tranquille. Let's play tranquille. On va essayer de leur faire gagner de l'argent le plus possible. Donc, voilà. Vous êtes prévenus. J'allais dire vous êtes préviendus pour rire, mais je pense que les gens vont vraiment croire que je ne sais pas parler français à force de faire ce genre de choses. Allez, va au lit, Clara. Zou. Voilà, je préfère. Allez, on passe le temps. Dabadi, dabadi, dabadou. Prendre une douche. Manger, ce serait pas mal. Une bonne salade de fruits. Oh, j'ai envie d'une salade de fruits, les mecs, maintenant. Oh, c'est une pastèque. Oh la vache, bide. Oh my god. Ah bah, dis donc. Ça, c'est du ventre. Hein. Mais c'est ouf à quel point le ventre peut s'étendre quand on est enceinte. Pour de vrai, j'entends, hein. Enfin, dans les Sims aussi, mais... Oula, c'est très bizarre, là. Mais, voilà. Bref, je suis émerveillée à chaque fois. Ah, ça, c'est cracra, ça. Clara, tu vas plutôt t'en charger. Hop, hop. Oh, mais foutez-nous la paix. Ah oui, alors, il faut que je fasse... gentiment fermer sa bouche au téléphone, même s'il n'a pas de bouche, hein. Oui, je sais, il n'a pas de bouche. C'est un téléphone, c'est normal. Hop, non, tu vas pas faire un barbecue, Clara. Tu prends les restes, elle est bête. Hop, on va prendre le gâteau et peut-être autre chose. Tu vas vendre ça. Clémentine, ensuite. Oh, mais c'est nul, avant on pouvait... Pff, ça m'énerve. Tu peux plus du tout faire de sport, donc en fait, quand t'es enceinte, tu grossis et tu te tais, quoi. Oh, non mais c'est pas possible, quoi. Alors, il n'y a pas à entretenir le jardin, elle a peut-être pas encore le niveau. Non, elle n'a pas encore le niveau. Désherber et pulvériser des insecticides. Pendant ce temps-là, Clara... Tu manges, tranquille ou gilou. Regardez comment elle se baffre, ça me fait trop rire. Bah, elle est gloutonne, quoi. Et en plus, on peut rien lui dire parce qu'elle est enceinte. Voilà. Hein? Et ben ensuite, Clara, tu referas des toiles. Et j'entends le téléphone, mais c'est dans ma tête, là, maintenant. Ça ne s'arrange pas. Non, Clara! Pause. Ah, je crois que c'est pour ça que j'ai pas acheté de lave-vaisselle, en fait. Mais ça comble le vide, un lave-vaisselle. Voilà. Donc je vais le laisser. Et ensuite, ma petite Clémentine, bah, tu vas tout récolter, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça raconte, tout ça? Donc au final, ouais, je sais pas si c'est mieux de faire des livres ou... Je sais pas... Bon, dans le doute, hein. Dans le doute, on n'en fait plus. Pour le moment. Et ensuite, Clémentine, il faudra qu'elle fasse de la proclamation. Quand tu auras fini tout ça, ma belle, tu iras faire un pissou, je pense.
Peut-être jouer et programmer. Allez Clara, fais-nous une belle toile. Ah oui, elle est belle en plus celle-là. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. J'adore. C'est stylé. Encadre là et vend là. Ensuite, une grande toile surréaliste. C'est parti, les amis. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré ça. En fait, c'est pour faire une petite serre. Quand je vous ai présenté la maison, je sais même pas si je vous ai présenté l'extérieur. Donc, on va faire le tour pendant que ces dames font leurs petites affaires. Il manque un bout du mur. Tout va bien. On va y remédier tout de suite. Voilà. Ça va mieux. Ouf. Je sais pas si vous aussi, quand vous faites vos maisons, des fois vous oubliez des bouts de mur ou. Où il y en a un qui se fait pas, enfin. Bref. Donc, voici la maison. Vue de l'extérieur. C'est génial. Et ça aussi, c'est bizarre. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ben oui, hein. Ben oui, hein. Mon Dieu. Je pense que l'extérieur, il y a pas besoin d'améliorer. Peut-être mettre éventuellement un petit salon de jardin ici. Ça me gratte le nez. Voilà. Mais sinon, à part l'intérieur, on verra. On verra plus tard. J'ai pas envie de faire de la déco pour le moment. Je voudrais au moins que son bébé naisse. Son premier enfant. Allez, zou! C'est vrai que ce truc, on dirait un petit spermatozoïde. C'est la youtubeuse Jody Dreams qui avait fait la remarque dans une de ses vidéos. Et maintenant que je revois cette toile, je ne vois plus que ça. Évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, Clara, vu que tu as de la compétence au jardinage, tu vas pouvoir faire évoluer les plantes. Faire évoluer. Faire évoluer. Mais elle a même pas fini son jardin, elle est repartie faire. Oh, joli! Mais j'ai dit non, foutez-moi la paix. C'est beau ce tableau. Waouh, en plus c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Oui, je veux le vendre. C'est tout? Par contre, ma petite saucisse, t'es gentille, mais je t'avais demandé de finir ça là. Pulvérise l'insecticide et tout le blabla. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Allez, zou. Vas-y. Ensuite, tu pourras aller manger. Voilà. Et ensuite, t'iras pirater. Pas avant. Non, mais. Enfin, t'iras programmer plutôt. Parce que la programmation ne sert pas qu'à pirater, heureusement. Heureusement. Ça me gratte le bras. Voilà, c'est passionnant. Ma vie. Ma vie est géniale, oui, je sais. Aïe, aïe, aïe. Alors, bah toi, tu vas refaire un tableau et ensuite tu mangeras un truc. Une toile classique. Alors, qu'est-ce qu'elle va dessiner? Qu'est-ce que ça va être? Oh. On dirait trop un tableau avec des... Ouais, c'est ça, avec les paysans, là. C'est une référence à un tableau assez célèbre, mais je ne saurais pas vous dire le nom ni qui l'a fait, sinon ce n'est pas drôle. Pissou. Pissou, pissou. Go, go, pissou. Toile surréaliste, et ensuite tu mangeras. Clémentine, t'en es où? Ouf! Ouh, ça craint du boudin, tout ça. Bah, tu feras les toilettes avant, hein. Les toilettes, j'ai dit. Voilà. Il est que 18 h. Il était déjà crevé. Hop! Du coup.
un pipi et programmation. Et Clara, tu pourras ensuite appeler tes enfants. Mais d'abord, attends, il faut que je la fasse vendre son tableau et ensuite tu appelleras tes enfants. Qu'est-ce que c'est que cette toile? Un arbre où il y a des cochons qui tombent? Ah bah c'est sûr que pour une toile surréaliste, c'est une toile surréaliste, hein? What the fuck? Bah pourquoi pas, hein? Alors, du coup... Hop là, voilà, on discute avec tout le monde. Enfin, tous ceux qui veulent, en tout cas. Et les programmes. T'enverras, tu discuteras avec Taram et Geoffrey et Lucas, histoire de... histoire d'entretenir la relation. N'est-ce pas? Niveau 3. Elle est en train de s'éclater en fait à programmer. Bah tant mieux, hein. Mais j'ai dit... Oh, c'est agaçant. Hop là. Bon, ensuite, Clara, une fois que tu auras appelé tout le monde, tu iras au lit. Ah non, en fait, faut déjà que tu répares ça. Eh oui, ma petite vieille. T'es pas encore à la retraite. Tu pourras te reposer quand tu seras morte. Voilà, c'est... C'est une expression super, on dormira quand on sera mort. Voilà, c'est génial. Je sais pas si on vous l'a déjà dit. Moi, en tout cas, on me l'avait dit. Ah, ça m'avait choqué. En même temps, il m'en faut pas beaucoup pour me choquer. Va faire pipi, toi. Bon, j'aimerais bien que t'accouches, Clémentine. Ce serait bien. Accouche, Clémentine. Eh ben voilà, il suffisait de demander. Ah, elle est en train de s'évanouir, c'est pas cool ça par contre. Hop. Ça veut bien être vendu, merci. Clémentine, go l'hôpital au lieu de t'évanouir là. Oui, on y va. Bah tu vas y aller avec une de tes sœurs. Tu vas y aller avec Louise, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Allez, go. Go, 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 go. Alors, garçon, fille, fille, garçon. Ruru, tu paries quoi? Je parie rien. Oh. Non, mais tu penses que ce sera quoi? J'en sais rien. Oh! Bon, moi, je pense que ce sera un garçon. Voilà, on verra bien. On verra bien. Alors déjà, on va... Elle a le ventre trop bizarre. Ou c'est le haut qui fait ça. Est-ce qu'on peut l'enlacer? Parce qu'elle est gentille, quand même, notre sœur. Voilà, un petit câlin. Avant l'accouchement, ça va bien se passer. En plus, c'est son premier. Oh my god. Voilà, la réceptionniste, c'est génial. Commander. What? Mais on s'en fout. On s'en fout, je vais accoucher. Je veux pas avoir des créatures du vide. Oh, le bide. Ouais, les vêtements, ça va pas du tout. Ah voilà, c'est mieux là. C'est beaucoup mieux. Allez, go! Emmenez-moi me faire pondre un mouflet. Oh zut! Je suis bête, j'ai pas ma liste. Et re, les choucrouloutes, bah j'ai pas retrouvé le carnet, donc ce sera du freestyle. Allez, accouche. C'est une fille! Bon, eh ben... le prénom que je vais choisir va vous surprendre. C'est pas comme si c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc je vais mettre son pseudo. À partir de maintenant, je mettrai les pseudos. Ce sera plus clair pour vous. Donc voilà. Alors, attention. Je pense que vous ne connaissez pas du tout cette personne. Voilà, donc Elancia, évidemment. Gros bisous, Elancia. Elancia est née. Ah, en plus, elle est noire, c'est magnifique. Tout à fait normal. Il reste 4 minutes à cet épisode. Ça me laisse 4 minutes pour aller pécho le mâle suivant. C'est horrible. Allez, rentre, rentre, rentre. Voilà.
Bon, c'est normal qu'Elantia soit noire vu que son papa est noir. C'est normal. En vrai, elle ne l'est pas, mais on s'en fout de toute façon. Bon, bah, je suis contente. C'est une fifi. Je pensais que ce serait un ado. Un ado, n'importe quoi. Je suis en train de lire pré-ado, donc c'est pour ça. TV pré-ado. D'accord. Je pensais que ce serait un garçon, mais en même temps, je savais que ce serait une fille. Enfin, j'espérais que ce soit un gars, mais je savais que ce serait une fille. Bref, on s'en fiche. Il est quelle heure? 2 heures. Oh non, mince, on ne pourra jamais avoir le mec. Comment on va faire? Ben, on va se déplacer. Je vois que ça, en fait. On va se déplacer. On va aller chez le garçon et on va le pécho là-bas. Tout simplement. Donc, je sais pas s'il va bouger si on y va. On va aller à la salle de. Non, un truc où il y a un. Celui-là, je sais pas s'il y a un placard. On verra au pire. Geoffrey, je sais pas s'il viendra avec nous. Je sais pas s'il viendra avec nous à cette heure-là, quoi. Salut, il est 2 h du mat, tu viens? Donc, on va faire Geoffrey et ensuite, le prochain papa, ce sera Taram. Allez, charge! Il reste 2 minutes pour pécho! Allez, c'est parti! C'est parti, on n'a pas le temps! On n'a pas le temps ici! C'est trop ça. Salut, on fait un petit! Oui! Il a dit oui! Allez, go! Go, 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 go! On n'a pas le temps! On n'a pas le temps! On n'a plus le temps! Oh my god! C'est bon, ils ont fini? Ils ont fini. Allez, go, le test de grossesse. On est au taquet, nous. Ah merde, c'est pas pour les filles, là. Bon, bah là. Go, le test de grossesse. Tu peux le faire, Clémentine. Oui! Allez, c'est bon, on rentre chez nous. Non, mais laisse tomber, on rentre chez nous. On va voir Elancia, là, faut s'occuper d'elle. Oh my god. Ah, bon, bah, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Non, mais sans lui, on s'en fout maintenant de lui. Oh, c'est horrible ce challenge. Bon bah voilà, Elantia est née, c'est cool, moi je suis contente. On va juste s'occuper un petit peu d'elle et puis ensuite je vais vous laisser. Ça c'est bien. Je sais pas où ils l'ont mise par contre. La petite poupoune. Moi, du coup j'ai pas retrouvé mon carnet avec les noms donc c'est pas grave, je vais m'arranger autrement. M'organiser autrement plutôt. Ah, ils l'ont mis à côté. Bon, bah, ça va. On va la laisser là pour le moment. Oh, t'es trop mignonne, Elancia. T'es un petit peu bronzée, mais c'est pas grave. T'es belle quand même. Encore heureux. Enfin, je suis pas en train de dire que les personnes noires sont moches. Bon, ok, je vais commencer à m'enfoncer toute seule, donc je vais me taire. Voilà. J'aime les personnes noires aussi. Noir, blanc, bleu. Du moment que le mec est sympa, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, on va mettre ça ici. Et voilà, petit bébé d'amour. Que t'es mignon. Et c'est sur ces belles images qu'on va se laisser. J'espère que ce quatrième épisode de la saison 2, oui, du coup.